Résultat historique pour BMC Bank of Africa en 2016. Le PNB consolidé du groupe est en hausse de 10% à 13 milliards de dirhams. Le total bilan dépasse les 300 milliards de dirhams, tandis que le RNPG franchit pour la première fois la barre des 2 milliards de dirhams. La répartition de cette richesse, de cette contribution, gardons en tête que 41% c'est l'international, 59% c'est le Maroc. Mais vous savez, dans ce cas de figure, c'est un travail de fond qui continue de se faire. Le groupe continue d'élargir, d'approfondir son fonds de commerce, d'élargir son implantation, non pas en termes de pays, puisqu'il n'y en a pas eu de nouveau, mais en termes d'ouverture de nouveaux points d'implantation. Plus de 60 agences, 70 exactement, ont été ouverts, 26 au Maroc, le reste dans le reste du réseau aussi de Bank of Africa essentiellement. Les activités au Maroc se sont particulièrement bien comportées. Malgré un contexte économique difficile et une concurrence acharnée entre les banques, BMC Bank SA, le vaisseau amiral du groupe, parvient à grignoter des parts de marché sur les crédits et les dépôts. Vous avez au Maroc des gains de parts de marché qui ont dépassé le demi-point de pourcentage pour les ressources, 0,71%, et quasiment un niveau comparable dans la progression des crédits. C'est quand même remarquable. Nous avons des parts de marché le hasard, et que la part de marché au Maroc, crédit dépôt, soit de 14,93%. Notons que le conseil d'administration de la banque proposera la distribution d'un dividende unitaire de 5 dirhams par action, stable par rapport à 2015.